ça, ça relève du droit administratif. Dans notre pays, quelles sont les personnes morales et droits publics? La toute première d'entre elles est la plus connue, c'est l'État. Et après ça, nous avons, en dehors de l'État, vous avez les entités décentralisées et vous avez aussi les établissements publics. Donc, lorsque vous initiez une voie d'exécution, une mesure conservatoire contre une de ces personnes publiques, eh bien, on va vous opposer l'immunité d'exécution. Deuxième catégorie qu'elle a choisie, ce sont les entreprises publiques. Et pourquoi les entreprises publiques? Parce que dans les 17 pays de l'OADA, les entreprises publiques n'ont pas le même statut. Dans certains États, on reconnaît encore la qualité des entreprises publiques sous forme d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Chez nous, cette notion d'entreprise publique n'existe plus. Depuis la réforme de 2008 au Congo, toute entreprise publique est d'abord et avant tout une société commerciale. Et selon la loi, par l'époque laquelle la société à l'époque c'était SARL, qui après la transformation est devenue société anonyme.